Benjamin Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Inno3, du cabinet Inno3, et vous êtes aussi le vice-président de la thématique sociétale sur Paris Open Source Summit. Alors, moi, j'ai envie de tout de suite vous demander quels sont les grands angles sociétaux et les enjeux de l'open data et de l'open source. Alors, ce thème, ça a été regroupe tous les enjeux sociétaux. Ça va de l'innovation. Qu'est-ce que l'innovation pour notre société, pour les sociétés, les organisations en France et au-delà? Les enjeux autour du collaboratif, tous les modèles qui sont en train de se mettre en place, alors que ça soit de l'open source ou du collaboratif, au-delà du Blablacar, ces modèles Airbnb, on en parle. Absolument. Donc au-delà de ça, tout ce qui est libre concurrence, responsabilité sociétale des entreprises, qui sont aussi des enjeux alors très corporate pour le coup, mais qui sont en lien direct avec l'open source et l'open data. Et en ayant à la fois un focus innovation business et un focus enjeu démocratique, société, pour le citoyen en fait, comment l'individu en tant que tel bénéficie de l'open source, de l'open data et de toutes leurs variantes. D'accord. Alors malheureusement ce matin on n'a pas pu avoir accès à Le Maire, mais est-ce que vous pensez que le projet Le Maire sur tout ce qui est République numérique va assez loin dans ce sens ? Alors le projet Le Maire, de la ministre Axel Le Maire, loi sur le numérique, est très intéressant à plusieurs égards. Sur la forme, dans la méthodologie qui a été adoptée pour faire participer les citoyens à ce premier projet qui a été soumis au Conseil d'État récemment. C'est de l'intelligence collective. Exactement, quelque part. Et il y a eu vraiment un processus d'accompagnement de la contribution du citoyen. Donc c'était une première et je pense une très belle initiative. Et ensuite, sur le fond, je pense, les deux sont intimement liés, parce que pour avoir un projet aussi ambitieux, il fallait aussi s'appuyer sur la société. Et sur le fond, il y a des articles, en tout cas du contenu qui est vraiment important quant à l'open data, donc une systématisation et voire une extension de l'open data au sein du secteur public et au-delà, donc notamment le secteur privé qui aurait en charge certaines missions de service public. Et un article que j'aime beaucoup, alors qui a été un peu mis en suspens récemment, sur le domaine commun informationnel, donc sur cette idée que notre société ou les sociétés de manière générale gagneraient à avoir des ressources mutualisées, des ressources communes sur lesquelles s'appuyer pour faire leur propre innovation. Donc chacun peut partager, en tout cas chacun a intérêt à partager pour en périphérie exploiter ou innover plus facilement et de manière plus agile. Mais Benjamin, vous savez comme moi, ce genre, on va se heurter à des freins culturels, c'est surtout dans les pays latinos comme le nôtre. Les anglo-saxons peut-être sont plus ouverts, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors je pense que pour le coup on était même révolutionnaire, c'est-à-dire que personne dans le monde n'avait mis en place un tel cadre législatif, une telle consacration du commun et une protection associée à ce commun. Et effectivement il y a un vrai blocage culturel. Là, on se retrouve pour donner des exemples auxquels j'ai été victime, en tout cas j'ai participé, toute l'industrie culturelle s'oppose à ce type de commun. À l'idée qu'il puisse y avoir une propriété commune, qui ne soit pas une propriété individuelle, la considérant comme étant contradictoire au régime de la propriété intellectuelle. Alors en tant que spécialiste de la propriété intellectuelle, c'est une mécompréhension totale des enjeux, des mécaniques qui sont derrière. Mais effectivement, je pense que les freins sont dans un premier temps culturels. Les gens et les acteurs en place ne se rendent pas tous compte de l'intérêt de mutualiser. Cet Open Source Summit est un excellent exemple de tous les champs de mutualisation qui existent dans le numérique et bien au-delà. Et de quelle manière les entreprises sont incitées à partager, à mutualiser les frais et donc à économiser sur des sujets, des ressources non sensibles pour ensuite exploiter de manière la plus agile et avec la plus de valeur ajoutée leurs propres innovations. Donc vraiment, j'ai OpenStack en tête, j'ai Genivy en tête. Absolument, c'est Wikipédia aussi sur d'autres champs. Ce sont des vrais exemples d'une mutualisation réussie autour de laquelle, avec une ressource commune, autour de laquelle chaque acteur a réussi à trouver sa place. Absolument. Et finalement, est-ce que les entreprises, finalement, n'ont pas le choix, elles n'ont que le choix de partager, selon vous? Oui, pour innover. Oui, tout à fait. Et de s'appuyer sur ces ressources existantes. Absolument. Plus aucun logiciel développé aujourd'hui ne s'appuie pas sur des composants open source. L'open data est aussi une source de richesse énormissime. Beaucoup de startups maintenant s'appuient sur ces données qui ont été ouvertes par les administrations, par le secteur public, voire par certaines sociétés privées, pour développer un service, je dirais, à moindre coût. C'est-à-dire qu'ils ont juste eu l'intelligence, l'idée, absolument, et se sont appuyés sur des ressources qui existaient. Absolument. Pour terminer, un petit mot sur Inno3, votre cabinet. Alors, le cabinet de Inno3 est un cabinet de conseil qui est spécialisé dans l'accompagnement des acteurs privés, publics,
sur l'open source et l'open data et l'innovation ouverte. L'idée, c'est qu'on les aide à adopter une posture, alors tant avec un accompagnement juridique, gestion des licences, définition d'une stratégie de propriété intellectuelle, que les aspects communauté, comment créer sa propre communauté autour d'un projet ou interagir avec des communautés existantes, que la partie plus gestion de projet, transformation d'organisation. Donc on travaille avec la Commission européenne, on travaille avec la mairie de Paris, on travaille avec beaucoup d'institutions, on travaille avec des centres de recherche, un certain nombre de grands centres de recherche, avec des grands groupes. Et aussi avec des PME innovantes qui font partie de cet écosystème, et on essaie de se positionner au milieu pour aider chacun à collaborer, en tout cas à trouver sa juste place. Merci beaucoup Benjamin pour toutes ces précisions. Merci infiniment. Beaucoup.